Salut la compagnie, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Empire Total War avec le Royaume d'Espagne, donc le deuxième épisode de ce mardi. Alors, on s'était laissé avec une bataille contre les Hollandais qui m'attaquent avec une petite flotte cette fois, en fait une flotte qui est égale à la mienne. On va voir ce que ça va donner. Et aussi dans l'épisode précédent j'ai pris Caracao, j'ai fait quoi? Il y avait une flotte marate hein, qui se baladait en Atlantique dans les prés des Caraïbes avec une grosse armée. Je pense qu'ils voulaient aller envahir Cuba, enfin la Havane. Donc avec ma flotte des Caraïbes, je l'ai totalement anéanti, et tant mieux. J'ai fait la paix avec Hanovre aussi. Et Gênes. Voilà. Là, j'essaie de refaire mon économie et, parce qu'en fait, le plus gros défaut, c'est que j'ai pas pu développer mon économie. Ce que je fais d'habitude sur mes autres parties, c'est que je développe mon économie à fond et ensuite je vais faire la guerre. Mais là, dès le début, tout le monde m'a déclaré la guerre. Et en fait, j'étais en position de défense. Et je pouvais pas mettre mon argent dans mon économie. Je pouvais que mettre mon argent dans mon armée, refaire mes troupes, refaire de nouvelles troupes et autres. C'est un des trucs qui m'a énormément handicapé sur cette campagne. Et là, je vais essayer, avec le peu de temps qui me reste, d'essayer d'améliorer un peu tout ça. Bon allez, on se retrouve pour la bataille. Et on se retrouve, j'ai le vent pour moi, et tant mieux. Alors, je vais avoir une petite tactique. Ce que je vais essayer de faire, mais je ne garantis rien, c'est que je vais essayer de démater au plus vite ces navires. Parce que là j'ai le vent vraiment vraiment pour moi, donc lui il va tracer. Vu que c'est mon navire, mon cimarron, c'est mon navire le plus rapide. Parce que là en face de nous on a que des lourds, hein. Moi aussi donc. Et il va falloir absolument que je me mette du côté du vent. Et non contre le vent, parce que sinon je serai en mauvaise posture. Donc lui, j'aimerais bien que tu traces un maximum. On va te mettre comme ça là. On va accélérer un peu tout ça. J'ai quand même un navire endommagé et ça m'embête un peu, ce quatrième rang. Ils sont tous un peu endommagés, j'ai pas pu les réparer en fait. Il est où le deuxième rang là? Il est là. Il est. Où est le deuxième rang? On a un navire bon qui est là. Il est là. Moi je vais aller contre le vent, je vais pas me mettre. D'ailleurs toi tu vas les suivre aussi. J'ai pas envie que tu risques ta vie. Toi tu vas partir tout seul à l'aventure. Allez, parce que je sais qu'au bout d'un moment ils sont comme ça, ils vont faire hop, ils vont tous tourner là. Je les connais les bougres. Hein. Je crois que tu peux tirer d'ici, non? Ils ont une très très longue portée, mais je vois plus d'où c'est. Allez, il est là le truc. C'est qui mon navire amiral? C'est... Ah, c'est lui en plus! Ah merde! J'ai pas fait gaffe! Ah, faut vraiment pas que je le perde, hein. Allez, feu là! Feu! T'es en pleine dent! Non? Tu veux pas? Bon, attendez, c'est un peu dangereux pour moi là. Pour l'instant, on va se juger. Voilà. Ah, si j'arrive à avoir le navire bombe avant tout le monde. Ouais, il faut que j'arrive à la choper. Parce que là, il va essayer de. Je pense qu'il va tirer sur. C'est ce que je me doutais. Il faut que je le détruise avant.
Oui, ça c'est ce que je voulais en plus. Allez, 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 cette navire bombe, elle est juste là, là. Tu peux pas tirer dessus? Non, c'est interdit. Putain, il est à la limite. Il est à la limite. Ouais, j'ai dû couper mon micro parce qu'il y avait énormément de bruit chez moi, dans mon immeuble là. Je suis en immeuble, les murs sont en carton. Allez, j'essaie d'avoir ce navire bombe là. Parce qu'il est en train de canarder mon 6ème rang. Ça me plaît pas trop. Voilà, j'ai préféré prendre le large avec ces navires. Je sais pas ce qu'ils foutent là, les Hollandais. Non, pourquoi t'as tourné toi? Shoot-le quoi, shoot-le merde. Ah, tu peux l'avoir. Putain, c'est pas possible quoi ce navire. Bon, eux, je vais les faire bouger quand même comme ça. Alors j'en suis où là? Allez, détruis-le là, d'habitude. Putain, moi quand c'est moi qui on tire dessus, mon navire il explose. D'un coup, et là je suis obligé de mettre 36 000 SAF pour le faire exploser quoi. Le truc pas chiant déjà. Plutôt faire comme ça, ils vont arriver sur moi là. Allez, feu, 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 feu. Pas possible, explose-le. Oh là 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 là, c'est pas possible. Plein dedans. En même temps pour le louper lui. Il commence à me saouler hein. Là, je veux juste qu'il explose. D'accord, j'ai des ralentissements et je sais pas pourquoi. Pourquoi ça me fait... Bon, alors toi, tu vas t'éloigner quand même, pépère, parce que là, j'ai pas non plus que tu te prennes un... Ah c'est bon, il est en train de se casser, c'est plus une menace. Allez, adieu. Bon, il est en train de couler. Mais bon. Par contre, ouais. Alors, on va se mettre comme ça. On va attendre qu'ils arrivent sur nous, les loustiques. Par contre, lui, il a subi, merde. Je pense que cette bataille va être très longue. Les batailles sont généralement très longues sur... Ah voilà, là ils se mettent au vent. Ça c'est ce que je voulais depuis le début. Pour une raison.
Je crois que je suis à portée de tir là, non? Je crois que c'est dans le navire amiral ça, non? Voilà, c'est ça que je voulais. Hop. Allez, tu tournes maintenant en entier, tu tournes en entier, tu tournes en entier. Eux feront pareil à un moment ou l'autre. Hop. Allez, allez, tourne, tourne, tourne. Faut vraiment que je dématte. Oui, vas-y. Tu es presque. Voilà, un mois, un mât en moins. Ces navires-là, ils sont peut-être forts, mais alors niveau canon. Par contre, j'ai peur d'être trop près pour ces navires. Si je perds mon navire bombe, ça va me faire triste. Allez. Parce que eux, ils vont venir, ils vont pouvoir le terminer. Voilà, voilà. On se casse, on se casse. J'avais pas vu qu'ils tournaient tous. On se casse. Toi, tu traces comme t'as jamais t'as tracé. Ok. Non, 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 trace, putain, t'es censé être plus rapide que tout le monde et... Et c'est con, il se gêne. Voilà, il se gêne comme des noobs. Ne vous gênez pas, putainaise, ne vous gênez pas. Non, 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 non. C'est pas possible. Allez, tourne, tourne! Tourne par là! Oh, oh merde! Oh merde! Oh merde! Oh putain, c'est le mauvais plan ça, c'est le mauvais plan. Hop, toi tu vas par là. Non, non, pourquoi tu... Chier. Ouais, c'est bon, lui il a été dématé. Oh putain, possible ça, hein. Oh, fais chier. Non, mon navire bombe, il a été détruit. C'est la merde. C'est quoi ça? Cinquième rang. Lui, il fait plus rien. Et il est en feu en plus. Ouf, j'ai l'impression de m'en sortir là quand même. Putain, mais tu traces toi ou pas? Non, tu... Quand tu veux, hein. Ok, tu tournes par là, toi.
On va prendre des trucs comme ça. Ok, lui il se casse. C'est le deuxième rang qui est menaçant pour moi là. Allez, un main en moins. Non, 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 non. Ah merde, j'ai perdu mon... Ouh, la coquille de noix. L'objectif, c'est lui. C'est lui le plus menaçant. Parce que là, il trace le coco. Putain, tourne comme ça là. Oh là là, je vais me le prendre de plein fouet. Ah mon dieu. Ouf. Ah lui, il a perdu tous ses mains. Oh bah d'accord, il s'est rendu. Lol. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas, ne vous gênez pas, c'est... Mauvaise idée. Hop, boulet classique pour toi. On va aller sur le petit brick là. Non, non, comme ça, c'est bon. Toi, tu vas tourner dans ce sens là. Et toi aussi. Ok. On s'en sort, on s'en sort. Allez, 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 faut le démater celui-là, absolument. Parce qu'après, il pourra plus rien faire sans mal, lui. Putain, ils ont eu mon navire bombe, quoi. Chier, ça coûte cher à faire. Je crois que j'en ai plus maintenant, je les ai tous perdus. Allez. Feu. Bon, il tombe, c'est mal, hein. Non, ils veulent pas tomber, hein. En plus, ils sont super résistants, c'est abusé. Regardez, ça lui fait rien du tout. Chatouiller. Ça me chatouille. Bon, par contre, là, sans voile, il a plus de voile. Bon, moi, je veux que t'es... Ah, voilà. Voilà. Bon bah là tu sers plus à rien comme navire. Et le dernier, et ça tombe. Ok, maintenant on le termine. Hop, on s'arrête comme ça là. Voilà. Et il me reste quoi à faire? Il me reste lui à faire.
plus moi ces deux là à faire. Ah lui il a été dématé par l'avant. On va un peu accélérer le truc là parce que c'est lent, c'est très lent même. Et il s'est rendu. C'est bon. Hop, on va se faire l'autre maintenant. Bon moi j'ai perdu un navire, il y en a un qui s'est rendu. Lui il y en a deux qui se sont rendus. Trois. Je lui ai fait couler un navire. Non, on va prendre ça. Non, je veux que ce soit sur l'autre que tu tires. Allez, crève! Ouais, je suis à contre-vent. Hein. Ok, lui c'est rendu. Il n'en reste plus qu'un maintenant. Le... je crois que c'est son navire amiral celui-là, non? Non. Non, bah, je sais pas où était son navire amiral. Et c'est pas rendu lui. Si, c'est rendu. Pourquoi tu tires sur lui? Mes navires ils sont subis hein. Vache. Mais je crois que je vais récupérer ce deuxième rang et ça va être cool. Voilà. Ouf, enfin victoire héroïque, tu m'étonnes. Ouf. Donc alors 6 navires, 6 navires, j'en ai perdu, il en a perdu 2, j'en ai perdu 1. J'en ai capturé 4. Et ça c'est bien ça. Merci, donc j'ai capturé son brick, son deuxième rang, son cinquième rang et son deuxième cinquième rang. Ah. Adieu. Bon par contre je suis plus en train de faire du piratage donc ça me fait perdre de l'argent ça. Merci. Ah ça fait du bien de se venger un peu des Hollandais là. Salopard hollandais. Par contre, la moitié d'un épisode... ouais, presque entièrement un épisode sur une bataille navale. Ouf. C'est le gros désavantage de ce jeu-là, c'est que les batailles navales sont très très longues. Surtout qu'on n'a pas envie de faire ça n'importe comment, si on n'y va pas à la barbare. Elles sont très très longues. La prochaine fois je mettrai des l'option pour pas voir le déplacement des troupes parce que c'est un chiant. Enfin c'est long surtout, qu'est-ce qu'on perd du temps avec ça, regardez comment ils se déplacent. Bon, d'un côté on peut voir où vont les troupes ennemies, des fois on s'en aperçoit pas, comme j'ai fait avec l'Empire Marat tout à l'heure. Mais maintenant il me gêne plus. Wow, j'avais pas vu la flotte j'allais dire la flotte africaine. J'ai pas vu la flotte pirate ici. Elle est où? Ouh, elle va faire mal celle-là. Elle va faire très mal. Et hop, tu vas là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lettre de demande. Qu'est-ce que vous avez encore? Il faut que je fasse... Ah, ça coûtait cher. Peut-être un truc comme ça pour le bonheur, non?
Alors ça apporte ça, ça, et ça, ça apporte ça, et ça. Opéra ou... Bon, on va faire un opéra pour leur bonheur. J'ai pas envie de me taper une rébellion ici quand même. Ok, 2000 émeraudes. Alors, les navires qui ont énormément subi là. Et 1075, putain la vache. Oh, 1000... Ouh, ça fait mal. Ah, j'ai eu quoi? Recherche effectuée, ok. Alors... Ouf, 8 tours pour ça. Je vais plutôt à 9 tours pour ça. Mmh. 14 tours. Ça me fait quoi ça? Moins plus 5 de coups de recrutement tout le temps. Ouais, d'accord. Plus 10 de vitesse. Plus 5 de portée. Moins 12 de coups. Ah ça c'est peut-être bien ça. Je vais faire ça. Ça me coûtait moins cher pour le... Ouais d'accord. Ah, les canons, les frégates de caronade, j'en avais déjà utilisé, mais je trouve pas ça très très utile en fait. Ici, bon, on va continuer à faire là-dessus, mais faut que j'améliore ces machins là, absolument. Sinon, je vais jamais m'en sortir moi. Bon, ça va, ici j'ai une petite... Petite armée. Ah, ces bateaux à réparer. J'ai tellement de navires partout à réparer. Mais ils mettent combien de tours à se réparer eux? Et il reste plus que le dernier. Ah, ça c'est bien ça. On va réparer toi. On va soigner toi. Ici ça m'embête hein, parce que j'ai... Ouais, je vais pas me taper une rébellion au prochain tour. Bon, j'en suis fort encore là. Ils sont juste en colère. Ok. Et là c'est quoi que j'ai comme agent? Ok. Les routes aussi faut que j'améliore tout. Faut que j'améliore tout. Ça va ici? Ouais, c'est pas trop encore ça. Je pense que je vais faire une deuxième milice ici. Ah bah d'ailleurs ici, est-ce que je touche de... Ouais, je touche de l'argent, hein, puisque... Ils sont protestants en plus. Ok. D'ailleurs... Tiens, l'Autriche là. Pas faire du commerce? C'est regrettable, mais maintenant on trouve ça inacceptable. Alors la Prusse, on s'en fout qu'on s'entend très très bien. Putain, j'ai 36 000 technologies et il en veut pas du tout. Peut-être que tiens, baïonnette à douille, je pourrais pas te l'échanger contre du... Allez, je suis sûr que ça, ça et ça. Hop. Ok, bon, j'ai baïonnette à douille. Ça c'est cool. La Suède est hostile avec moi, mais ils font du commerce avec moi. Pourquoi elle est hostile? Ah, parce que je suis avec l'Autriche. Non, mais c'est chelou, ça. Je te vends ça. Contre... allez, un petit 500. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. L'état italien, non, très amical. Qu'est-ce qu'il y a, un truc qui pourrait t'intéresser, toi? Ah, voilà, j'ai tout ça pour toi. De toute façon, c'est la Nouvelle-Espagne. Tu pourrais pas me donner genre 2000. Yeah, merci. Voilà, comment avoir un peu d'argent supplémentaire.
Et cet argent-là, je vais l'utiliser surtout pour améliorer des trucs. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? On va améliorer ça. Ça rapporte de la bouffe. Peut-être les ports. Ouais, on va améliorer le port. C'est ce qu'il faut. Et on va passer de tour. Est-ce que j'ai pas un truc que j'ai oublié de faire? Non. Ouais, parce que de toute façon faut améliorer les routes, ça rapporte énormément d'argent. Toutes les industries, genre les mines, les forges, les ports, et ça fait gonfler le patrimoine, comme on dit. Je préfère le système de soins comme dans Total War Rome 2 où on n'a rien à faire, c'est juste que les troupes reviennent régulièrement, automatiquement en fait. Que là il faut payer pour... ça coûte cher. Attends, c'était la Big Flotte qu'ils avaient là? Ah ouais, quand même! Ah ouais, bah ouais, bah respect quoi. Ils les ont eus. J'aimerais bien avoir un espion aller en France et foutre le bordel à Paris pour qu'il y ait une rébellion. Ah non, ok, c'est celle-là leur flotte. Elle va être du... cette flotte pirate va être chaud. Ah, ils ont quand même désarmé les Hollandais. Merde. Je me tape une rébellion au Maroc. Oh oh. Oh oh. Il me faut des renforts. Hop. Ok, on ira se faire ces mecs-là. Je me doutais, je pensais pas me taper une rébellion aussi vite, mais si, bah si, bah si. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est pour les impôts. Putain, je me tape 410. Aouh! Tiens, bah tiens, ici, on va faire ça. Absolument, il faut. Je me tape 410. Ouh, ça fait mal, ça. Cette flotte est réparée. Ah, voilà. Pourquoi? Pourquoi j'ai autant de revenus là? J'ai... Ah voilà. Je me disais bien aussi, elle était pas... Elle était pas mise. Oh, oh, ça m'embête ça. Oh nom de Dieu. Ah d'accord, j'ai perdu ma galère. Oh, j'avais pas fait gaffe. Alors toi absolument, va falloir que je te répare. Toi aussi. Il me faudra de nouveaux cours commerciaux, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Pourquoi elle est pas... Qu'est-ce qui se passe avec cette armée? Ah oui, d'accord, c'est que ce, ça... Alors... Bah écoutez, on peut toujours... Attends, attendez, si je fais ça, là, genre... Oh là là, on n'est pas content, nous. Ok, va falloir que je baisse les impôts. Ça va pas m'arranger. Ok. Ok.
Ah oui, ça aussi ici. Oh, chiotte. Je suis à combien? 593. Ok, ici je fais ça. Ok, ils sont pas contents. C'est vrai que les impôts, je les ai montés depuis un petit bout de temps déjà. Et ils sont pas contents. Ah, c'est la Suède qui a un blocus, c'est pour ça que je perds autant d'argent. Ah, chiotte. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qui se passe avec la Suède? Alors. La route terrestre par laquelle ces marchandises se sont assumées subit un raid. La Suède. Attends, je passe toi. Quoi, c'est les Hollandais qui me cassent les noix là? À Gênes, ils ont repris. Ah, j'avais pas vu que Gênes avait repris l'Alsace-Lorraine. Il leur reste plus quoi aux Prussiens? Il leur reste plus que. D'accord. Ok. C'est tendu. Toute façon. Ok, là ils sont neutres. Cette armée, je sais même pas où l'envoyer cette armée, moi. Putain, j'aimais trop aller attaquer eux. Je suis en guerre contre qui, moi? Contre tout le monde, mais. En Europe, je suis en guerre contre qui? Province unie, Pologne-Lituanie, la Russie. Mais la Russie, c'est en Babylone, hein, qui j'en ai à foutre d'eux. Tiens, demande de paix, je t'offre une technologie, tiens. Ça devrait aller, non? Ah! Ah bah non. Je me suis dit. Corps commercial, technologie. Hop, je te donne la baïonnette. Ça et ça. Putain, mais ils veulent pas du tout faire la paix avec moi, hein. C'est hallucinant. Je te donne ça et ça et ça. Voilà. Ah, voilà. Pologne-Lituanie, paix. La Grande-Bretagne. C'est eux avec eux, j'aimerais bien faire du commerce là. Je te donne les hauts fourneaux. Ouais, ça. Et ça. Je vais pas le feu apparent parce que. C'est dangereux. Ah, j'ai 2038. Ah, c'est cool. Parce que j'ai fait la paix avec. Ah d'accord, c'était. Ah bah non, parce que je fais du commerce avec eux maintenant, c'est vrai. D'accord. Bon bah on va passer de tour. Encore. Encore, encore, encore. Et on passe de tour. Faut que je répare mon armée qui est à Caracao et je vais l'attaquer Trinidad. Et après ce tour, on va se laisser ici. Ah oui, Pologne-Lituanie, je crois qu'il faisait. Je suis en paix avec lui, il faisait du piratage sur une de mes voies comme maritime aussi. Ça c'est la Russie, j'aimerais bien faire la paix avec eux. Ils sont à l'autre bout de la planète. Le mec que j'ai jamais rencontré. Ils m'ont déclaré la guerre. Ah ouais, c'est l'Autriche qui est en guerre contre la Suède. C'est eux qui empêchent le commerce. Non, c'était pas une voie maritime, c'était une voie.
D'accord. J'aimerais bien faire la paix avec l'Empire Marat aussi, parce que l'Empire Marat, ça rapporte beaucoup d'argent quand on fait du commerce avec. On est en 1742. Merde. Merde, merde, merde et merde. C'est quoi ça? C'est la milice, milice, infanterie de mêlée. Bon, de toute façon, si je les perds, c'est pas grave, j'ai mon armée qui est juste derrière, mais ça va me faire chier. De toute façon, là, j'ai quand même 3 milices. Ça m'inquiète pas du tout. C'est ça qui m'inquiète. Bon, de toute façon, ça sera au prochain épisode, parce qu'on va se laisser ici. Et bah voilà, ce sera jeudi, donc on verra si je perds Gibraltar. Gibraltar, non. Si je perds Tanger. De toute façon, même si je les perds, je vais les récupérer derrière. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et tout le tintouin. Et on se retrouve pour les deux prochains épisodes jeudi. Allez, ciao tout le monde!